coming. You fought for Dominaria before. Stood against impossible odds and won. This isn't my fight anymore. This is everyone's fight. I've moved on. I'm not the hero. You remember? You have to be. Evil is taking root. But this time, you won't be alone. Et bonjour à tous, c'est Steven. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo découverte sur le jeu de cartes Magic Arena. Magic Arena, c'est la version numérique du jeu de cartes Magic The Gathering, donc le jeu de cartes papier. C'est un jeu qui est encore en bêta fermée, en anglais et sur PC uniquement. Alors, nul doute qu'à la sortie du jeu, on pourra l'avoir dans d'autres langues, dont le français. Et il sera sans doute mis aussi sur tablette et peut-être téléphone, ça faudra voir. Pour jouer à Magic Arena, faut quand même avoir des bases du jeu de cartes Magic, parce qu'il n'y a pas encore de tuto. De la même façon, il y aura certainement un tuto à la sortie du jeu. Pour le format de jeu, c'est un standard. C'est le même standard que le jeu de cartes papier. Ça va de Amonkhet à Dominaria, qui est la dernière extension. Alors, on va découvrir ensemble l'interface du jeu. Donc on a plusieurs onglets. Donc vous avez l'onglet Home. Vous avez l'onglet Home, Deck, Pack et Store. Alors, dans cette interface, vous avez plusieurs logos. Donc ça, c'est les wildcards. C'est des cartes qui nous permettent de crafter d'autres cartes en fait. C'est des cartes que vous allez ouvrir dans des boosters ou avoir dans certaines récompenses. Vous avez plusieurs raretés comme les cartes Magic, hein, tout simplement. Vous avez communes, incommunes, rares et rares mythiques. Avec une carte, une wild card commune, vous pouvez fabriquer la commune de votre choix en consommant cette carte. Pareil pour les rares mythiques et incommunes. Ensuite, vous avez les gold, donc c'est l'or, c'est la monnaie du jeu. Voilà, tout simplement, ça vous permet d'accéder à plusieurs événements, à acheter des paquets de cartes, etc. Ensuite, vous avez les gemmes. Alors les gemmes, c'est la monnaie du jeu également, mais c'est une monnaie qu'on peut acheter avec de l'argent réel. C'est pareil, ça vous permet d'accéder à certains événements, et il y a certains événements qui sont uniquement accessibles en utilisant des gemmes. Alors il y a un moyen quand même de récupérer des gemmes, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite vous avez le coffre. Donc le coffre, c'est à chaque fois que vous ouvrez des boosters et que vous avez une carte en un cinquième exemplaire, vous ouvrez un booster, vous avez déjà 4 fois cette carte là dans votre collection, vous l'ouvrez une cinquième fois et vous allez finalement elle va être détruite et ça va augmenter le pourcentage de votre coffre. Une fois que le coffre est arrivé à 100%, vous pouvez l'ouvrir et vous récupérez une wildcard rare mythique, deux wildcards rares, trois wildcards incommunes. Et donc du coup ça vous permet d'ouvrir des packs sans perdre vraiment une grande quantité de cartes quand vous avez une collection plutôt complète. C'est plus facile à compléter votre collection. Ensuite vous avez l'onglet des options, bon, c'est pas très utile. Donc là on a le petit logo comme quoi vous êtes en bêta. Donc sur la page Home, là vous avez les quêtes journalières qui se réinitialisent donc tous les jours comme son nom l'indique. Donc vous avez une quête qui vous permet de gagner de l'or, c'est en jouant par exemple 30 cartes bleues ou noires. Sinon vous avez aussi détruire 15 créatures adverses. Ces quêtes là peuvent vous rapporter 500 d'or jusqu'à 750. Vous pouvez les réinitialiser, vous pouvez en réinitialiser une par jour. Ensuite vous avez d'autres quêtes de victoire. Donc à chaque victoire, vous avez au début, à votre première victoire journalière, vous gagnez 250 d'or
À la seconde victoire, Sandor. Troisième victoire, Sandor. Quatrième victoire, Sandor. Ensuite, à la cinquième victoire, vous récupérez une carte incommune, aléatoire. À la sixième victoire, vous gagnez 50 d'or. Septième victoire, encore une carte aléatoire. Huitième victoire, 50 d'or. Une carte aléatoire. Après, c'est 25 d'or. Carte aléatoire, comme ça, jusque donc le moins de gold que vous pouvez récupérer, c'est 25. Ça va jusqu'à 15. Jusqu'à 15 victoires, vous avez cette alternance de gains d'or et de gains de cartes incommunes. Ensuite, vous avez aussi une quête par semaine. C'est le dimanche que ça se débloque, donc dans 73 heures pour moi, au moment où je tourne la vidéo. Donc, quand vous remportez 5 victoires, vous avez un booster de la dernière édition, donc Dominaria. Après, au bout de la 10e victoire, vous avez un autre booster, et au bout de la 15e victoire, un nouveau booster. Donc, dans l'onglet Home, vous avez plusieurs événements qui sont en présentation, donc le Quick Constructed, le Quick Singleton, le Competitive Constructed et le Competitive Draft. Vous les retrouvez aussi ici quand vous faites play. Et vous avez d'autres événements qui sont disponibles. Donc le Competitive Constructed, qu'est-ce que c'est? Alors, on va aller dans cet onglet-là. Donc, pour y rentrer, il faut dépenser 1000 d'or ou 190 gemmes. Donc, vous faites des matchs jusqu'à atteindre 2 défaites ou 5 victoires. À chaque victoire, quand vous quittez le Competitive Constructed, vous avez des récompenses. Donc, le Competitive Constructed, le mode de jeu, finalement, c'est avec un deck construit. Vous faites avec les cartes de votre collection. Vous avez aussi le sideboard, donc la réserve. Vous avez 15 cartes de réserve. Et vous faites des matchs à 2 victoires. À 2 victoires. Vous pouvez faire 2 victoires, une défaite, 2 victoires, ou 2 défaites, ou une victoire, 2 défaites. Une fois que vous avez remporté une partie, ça augmente cette jauge. Quand vous faites une victoire, une victoire de match, le match aller et le match retour, hein, si vous voulez. Au bout d'une victoire, vous avez 500 gold et 3 cartes. Si vous faites 2 victoires, 1000 gold, pardon, et 3 cartes. Donc, finalement, pour rentabiliser votre Competitive Constructed, il faut faire 2 victoires minimum. Parce que c'est le prix d'entrée, donc vous pouvez en refaire à l'infini si vous faites 2 victoires minimum. Et en plus, vous gagnez 3 cartes. Si vous faites un peu plus, 3 victoires, vous gagnez 1500 gold et 3 cartes. Ensuite, 1700 et 3 cartes si vous faites 4 victoires. Et 5 victoires, c'est champagne, 2100 gold et 3 cartes. Donc, dès que vous avez les 2 défaites, vous sortez du compétitif Constructed. Et puis vous pouvez en relancer à l'infini tant que vous avez de l'or. Ensuite, on va revenir à l'onglet Home. Donc, le deuxième onglet, c'est Competitive Draft. Alors, le Competitive Draft, il faut 1500 gemmes uniquement pour y rentrer. Vous pouvez pas y rentrer avec de l'or. Alors, le draft. Si vous ne connaissez pas ce que c'est vous êtes à une table avec 7 autres IA. Donc là, ce n'est pas des vrais joueurs, malheureusement. Chaque joueur ouvre un paquet. Donc vous avez un paquet de 15 cartes. Attention, c'est important parce que les boosters que vous ouvrez, je crois que c'est une dizaine de cartes. Ou même pas, c'est un petit peu moins de 10, il me semble. J'en ouvrirai tout à l'heure à la fin de la vidéo. Là, vous avez 15 cartes. Vous prenez une carte et vous passez à votre voisin de gauche, il me semble. Je crois que c'est un voisin de gauche. Donc, votre voisin de droite va vous donner son booster dans lequel il aura pris une carte. Et vous tournez comme ça jusqu'à attendre d'avoir épuisé le booster. Et ensuite, vous ouvrez le second booster. Vous faites la même chose, mais dans l'autre sens.
et encore dans l'autre sens pour le troisième booster. Donc après, avec ce paquet de cartes, vous faites un deck de 40 cartes et vous jouez contre d'autres joueurs. Là, c'est pas des IA. Et par contre, les joueurs n'auront pas drafté exactement les mêmes boosters que vous. Ce sera de la même édition, mais il n'y aura pas forcément les mêmes cartes, toutes les mêmes cartes dedans. Donc vous pouvez, ça sert à rien de faire de l'anti-draft, donc de piquer des cartes qui ne vont pas dans votre deck pour handicaper votre voisin. Parce que de toute façon, il ne jouera pas, vous ne jouerez pas contre l'IA. Donc pour ce draft, donc même système que le Competitive Constructed. Donc vous pouvez faire jusqu'à 2 défaites et jusqu'à 5 victoires. Donc si vous faites une victoire, vous avez un pack. Donc c'est pas très intéressant. Si vous faites 0 victoire, pardon. Si vous faites une victoire, 2 packs. Toujours pas très intéressant. Et si vous faites 2 victoires, vous avez 800 gemmes et 3 packs. Là, ça commence à devenir intéressant parce que les gemmes, c'est assez rare, c'est compliqué à avoir. Mais pour vraiment être rentable, il faut faire 3 victoires. 3 victoires, vous avez rentabilisé le draft. Bah, même vous avez rentabilisé le draft. Vous pouvez refaire un draft à l'infini si vous faites une moyenne de 3 victoires. Et en plus, vous gagnez des packs. Donc, j'ai oublié de vous signaler, quand vous draftez, vous conservez dans votre collection les cartes que vous draftez. Donc, vous avez 3 boosters de 15 cartes. En gros, vous draftez 3 boosters de 15 cartes rien que quand vous rentrez dans un draft. Donc, plus votre récompense. Donc, ça vous fait gagner minimum 4 boosters. Et donc, ensuite, si on est à 4 victoires, on gagne 1800 gemmes et 5 packs, et 6 victoires, 2100 gemmes et 6 packs. Donc, c'est vraiment très bien. C'est pareil, là, ça se joue en 2 manches gagnantes. Et vous pouvez s'aider entre les deux parties pour rentrer certaines cartes qui pourraient vous donner l'avantage contre le jeu adverse. Ensuite, on retourne à l'onglet Home. Le ladder constructed, donc ça c'est le premier mode de jeu qui a été implanté. Donc c'est un peu comme Hearthstone, c'est des matchs en une seule partie, c'est du BO1. Et donc vous rencontrez des adversaires, vous remplissez une jauge un peu comme ça, chaque victoire elle augmente. Et quand vous arrivez au bout de votre jauge, vous passez au rang supérieur. Donc vous avez plusieurs grades, vous avez le grade débutant, bronze, argent, or, je crois qu'il y a rubis ou diamant, il y a plusieurs grades et au final il y a master. Donc à chaque fois que vous gagnez un match, la jauge augmente, quand vous perdez, la jauge descend. Voilà. Après, il n'y a aucune récompense pour le moment, donc c'est pas le mode de jeu le plus intéressant, honnêtement. Donc on va passer rapidement dessus. Ensuite, vous avez le Quick Draft. Alors le Quick Draft, c'est la même chose que le draft, sauf que c'est en BO1. Et le moyen d'y rentrer, c'est en dépensant 750 d'or, de gemmes, ou 5000 d'or. Donc là, vous pouvez faire, par contre, plus de parties. Rencontrer plus d'adversaires parce que vous pouvez faire jusqu'à 7 victoires. Donc là, même chose. Vous dites que vous avez, si vous partez avec 0 victoire et 3 défaites, vous avez 50 gemmes et un pack. Si vous partez avec une victoire, 3 défaites, donc 100 gemmes et un pack, et là 200 gemmes et un pack. Tout en sachant que 200 gemmes, c'est en gros le prix d'un pack. Donc si vous débutez, ça peut vraiment être intéressant de partir dans un quick draft. Je vous ferai quelques vidéos aussi sur l'analyse des cartes en draft, quelles cartes piquer et tout ça. Et moi, honnêtement, ça m'a vraiment aidé pour compléter ma collection. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que c'est vraiment un point assez important. Et vous avez aussi, je vous ai pas dit, mais vous avez une possibilité de gagner un booster supplémentaire. Donc
Là, si vous faites 0 victoire, vous avez 20% d'avoir 20% de chance d'avoir un booster supplémentaire. Et ça augmente de 2% là pour le moment. Plus vous faites de victoire, plus vous avez de chance d'ouvrir un second pack. Et si vous faites 7 victoires, vous êtes sûr d'avoir 2 packs et 950 gemmes. Donc pour le draft, c'est pareil, vous piquez dans 3 boosters de 15 cartes et vous. Pour rentabiliser finalement, faut faire 2 victoires. Donc 2 victoires, c'est assez simple de faire, honnêtement. Bon, ça arrive de faire moins, hein. Ça m'est déjà arrivé aussi. Il y a pas de mal à ça, ça arrive. Vous avez drafté des mauvaises cartes, vous avez eu des mauvais boosters, bon, ça arrive. Ou des mauvaises sorties. Donc là, si vous faites 2 victoires, vous avez donc 200 gemmes, ça équivaut à un booster. Donc vous avez 3 boosters de draft de 15 cartes, plus en gros 2 boosters. Et vous avez dépensé 5000 d'or. Pour acheter un booster, c'est 1000 d'or ou 200 gemmes. Donc en gros, vous avez vraiment rentabilisé votre dépense pour aller dans le draft. En plus, le draft, c'est super fun. C'est mon mode de jeu préféré pour le moment. Donc quand vous avez fait 2 victoires, donc vous avez l'équivalent de 5 boosters, c'est vraiment rentabilisé. En plus, vous pouvez piquer plusieurs rares, parce que les rares ne sont pas prises à chaque fois. Bon, des fois vous drafterez aussi pas forcément des rares. Ensuite, si vous faites 3 victoires, donc 300 gemmes et un pack, etc., pour faire des drafts à l'infini, des quick drafts à l'infini, il faut faire 6 victoires. Je vous cache pas que c'est pas évident. J'ai presque réussi à aller en infini quand même avec en quick draft. Parce que je faisais une moyenne de 5-6 victoires et avec l'or que je gagnais, je pouvais me racheter, je pouvais faire donc plusieurs drafts avec les gemmes que je remportais. Et puis quand j'avais plus de gemmes, je pouvais refaire un draft pour avec l'or que je gagnais, etc. Donc je pouvais en faire 6-7 d'affilée. Et c'est vraiment sympa. Voilà. Et donc là, regardez bien, vous recevez des gemmes. Et donc si vous économisez vos gemmes, vous pouvez aller en competitive draft. Et du coup, comme le competitive draft, je reviens dessus rapidement, donc c'est 1500 gemmes. Et si vous faites 3 victoires en moyenne, vous pouvez faire des drafts à l'infini et sans dépenser le moindre argent. Donc c'est pour ça que le draft, c'est important, c'est vraiment un moyen de compléter sa collection et de s'amuser en même temps. Ensuite, le mode de jeu suivant, le Quick Constructed, pardon. Donc le Quick Constructed, c'est en BO1 également. C'est le même principe finalement. Vous avez, on rentre avec 500 d'or ou 95 gemmes. Là par contre, c'est en jeu construit, donc avec la base de votre collection. Vous gagnez 100 d'or pour si vous faites 0 victoire et 3 cartes. 200 d'or et 3 cartes pour une victoire, etc., etc. Pour rentabiliser, il faut faire 4 victoires. C'est possible, honnêtement. Hein. Si vous êtes un petit peu meilleur que la moyenne, ça peut vraiment être pas mal d'en faire aussi pour se faire des gold. Mais attention, pour moi, le plus intéressant, vraiment, c'est le draft. Et pour finir, vous avez le Quick Singleton. Donc le Quick Singleton, pardon, c'est un mode de jeu un peu particulier. Vous n'avez le droit que d'avoir un exemplaire de chaque carte dans votre deck. Donc c'est un peu comme l'EDH ou le Duel Commander, pour ceux qui connaissent. Bon, sauf que là, vous n'avez pas de général. Mais l'EDH, c'est un de mes modes préférés en jeu de cartes papier. J'ai plusieurs decks, je joue régulièrement avec des amis, bah régulièrement, plus ou moins. Et c'est un mode de jeu vraiment sympa. Le Singleton, c'est un peu le même principe, sauf que vous avez 60 cartes. Et puis c'est que avec les cartes du standard, bien évidemment. Donc voilà, pour être rentable, donc c'est le même principe, hein, vous gagnez des golds pour chaque victoire, c'est exactement la même chose que le Quick Constructed. Pour être rentable, il faut toujours faire 4 victoires. Voilà. Donc on a fait le tour de l'interface du jeu.
bah, le premier onglet de l'interface. Ensuite, on va aller dans les decks. Donc, dans les decks, vous avez au départ 10 decks préconstruits qui vous est offert par Magic Arena. Vous avez pas mal de cartes, je vais vous montrer. Par exemple, celui-ci, vous avez. Donc, c'est un deck blanc-bleu, donc Azorius. C'est des jeux avec plusieurs rares vraiment corrects. Ça vous permet en plus de découvrir toutes les synergies, toutes les capacités du jeu de cartes, des éditions. Surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué, ça peut vous permettre de découvrir les synergies, les modes de jeu, tout ça. Donc un deck vampire, vous avez un deck dinosaure qui est bien aussi, vous avez un deck ouais, vampire, vous avez un deck ondin, un deck Golgari qui est pas mal aussi, qui est sympa, un deck jeton Celestia, voilà. Donc là il y a quelques-uns de mes decks, donc pour les decks, on va regarder celui-ci par exemple. C'est pas mal fait. Donc ça c'est les wildcards comme je vous ai dit, donc rare, mythique, rare et incommune et commune. Donc là vous avez votre bibliothèque, vous pouvez changer, vous pouvez filtrer les couleurs que vous voulez, si vous voulez des cartes que vous n'avez pas, si vous voulez voir uniquement les terrains, voir les coups de mana, la rareté, si c'est des enchantements, des sorts, des rituels, des éphémères, etc. Vous avez pas mal de capacités de filtre et pour retrouver les cartes rapidement. Le seul petit truc, c'est qu'on peut pas trier par édition encore, c'est un peu dommage, c'est ça qui est un peu gênant. Vous pouvez rentrer aussi le nom d'une carte. Si par exemple vous voulez ajouter des cartes supplémentaires, donc crafter des cartes, vous cliquez sur ajouter ou sur une carte que vous avez dans la collection, ça marche pareil. Et là vous pouvez transformer votre wildcard en la carte de votre choix tout simplement. Donc pour enlever des cartes de votre deck, vous cliquez sur le nom de la carte, vous pouvez soit en rajoutant en appuyant sur plus, ou alors ou en cliquant sur une carte, ça va l'intégrer à votre jeu directement. Alors du coup j'avais enlevé une île, je la rajoute. Voilà, concrètement là c'est le deck avec Scarab God, c'est un deck plutôt contrôle avec pas mal de contresorts, des bonnes cartes. C'est un jeu que je me suis inspiré d'une liste hein, tout simplement, et j'ai fait avec les cartes que j'avais, j'en ai crafté quelques-unes. Pas forcément très compétitif, mais je m'en sors quand même. Je suis rang or sans jouer vraiment très régulièrement. Là, j'ai fait que 4 parties pour la journée d'aujourd'hui et encore, je ne travaille pas. Je travaille pas aujourd'hui, du moins. Ensuite, vous avez les boosters. Donc là, on peut ouvrir les boosters en cliquant sur le paquet. Tout simplement. Ensuite, dans l'onglet store. Vous avez plusieurs onglets, donc vous pouvez acheter un pack spécifique, donc avec 5 packs Dominaria, 2500 gemmes pour 5$. Sinon vous pouvez acheter des packs donc soit en or, soit en gemmes, de toutes les éditions, Dominaria, Rivals of Ixalan, Ixalan, Hour of Devastation, Amonkhet, Aether Revolt et Kaladesh. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc dans le store, vous pouvez acheter des gemmes aussi. Et utiliser des codes pour l'instant. Je crois que c'est pas encore. Il n'y a pas encore de code de fait. Donc on va partir, on va faire une petite partie en ladder tranquille. Ladder constructed, on va prendre le jeu d'Ymir. Avec le Scarab God. Pour vous montrer un peu comment ça se joue, comment est l'interface. Bon, je vous assure pas une victoire, je vais essayer de faire de mon mieux.
promet rien. Donc là, on tombe contre zombies. Bon, allez, on va garder cette main. C'est un peu lourd, mais ça va. Je vais commencer par mettre un terrain qui arrive en jeu engagé. Donc vous pouvez décomposer les. Vous avez les plusieurs phases. Donc là vous avez la phase de dégagement, de pioche, d'entretien. Là c'est la main phase, la phase principale, la phase de combat et la seconde phase, la seconde main phase et la fin de tour. Donc là je suis en phase de combat. Vous pouvez passer les différentes phases. Et si vous n'avez rien à faire, il vous auto. Bah, il va avancer tout seul. Jusqu'à la fin de la phase. Je vais aller chercher une île. Je vais tuer tout de suite son elfe pour pas qu'il puisse faire une grosse sortie agressive. C'est assez intuitif quand même, hein. Le jeu est vraiment cool. On va passer le tour, on va voir si on le tue. Pour l'instant il n'est pas vraiment dangereux, donc je pense qu'on va le laisser. On va éventuellement contrer quelque chose de plus gros, de 2 pour 2, c'est pas vraiment dangereux. Ça passe. Et éventuellement je le tuerai vraiment avant mon tour, si j'ai rien de beau à contrer. Ça m'embête, je le tuerai plutôt ça avec mon fatal push. Bon, même pas besoin. Vous pouvez mettre aussi des stops sur une certaine phase. Si je veux par exemple faire quelque chose avant la fin de son tour, je mets un stop ici, je clique dessus, il peut faire la même chose pour moi. Et ça permet de pas oublier certaines phases et ça passe automatiquement. Là je vais sans doute utiliser Fatal Push quand même pour lui tuer sa 2-2. Éviter de se prendre pas mal de dégâts. Scarabougot tour 5, ça me plaît. Bon là je vous avouerai que je suis pas mal parti. Alors Scarabougot j'en ai que 2 dans mon deck parce que j'en ai que 2 dans ma collection. Et puis bon j'en crafterai peut-être un autre, je verrai. J'utilise pas toutes mes wildcards. D'un coup je les économise. Je sais pas trop pourquoi parce qu'il va y avoir une remise à zéro quand la bêta ouverte sera lancée de toute la collection. Je vais rester un peu sur la défensive. Est-ce que lui il a des cartes dans son cimetière? Ouais, je pourrais éventuellement ramener une de ses cartes. Je vais voir, pour l'instant je suis pas trop sous pression. Alors ça, est-ce que je le dis à l'eau?
je vais le disallow. Si je mets une grosse carte, je pourrais lui contrer. Comme celle-ci. Celle-ci aurait pu vraiment m'handicaper. Je pense que je vais le bloquer vu que mon Scarab God va revenir en main. Je pense avoir beaucoup de terrain. Je vais commencer à l'attaquer, je pense. Je vais le disallow. Je vais lui contrer. Donc je lui contre et du coup il ne pourra pas m'attaquer. Qu'est-ce que je pourrais bien ramener? Des terrains. Bon, je vais faire mine d'avoir une carte intéressante en main. Je vais l'attaquer tout. On va voir ce qu'il fait. Ça c'est embêtant. Bon, c'est pas. Carte quelconque. De toute façon, ça deviendra une 4-4. Je vais ramener son elf éventuellement. Ajouter peut-être un peu de chana. Pas le bloquer. Alors, va falloir faire pardon, quand même attention. Sa fatal push. Est-ce que je le garde? Il a quoi sur le terrain? Donc ça. Si j'arrive à. Ouais non, je vais pas le garder, je pense. Il faut autre chose. C'est dommage, j'aurais bien voulu autre chose que ça encore. Donc là j'ai 7 mana. Je pourrais pas le faire. 8 avec l'elfe. Je pense qu'on va jouer un petit peu défensive. De toute façon, là j'ai l'avantage. Oups, là, non. Donc, oui, vous pouvez attaquer avec tout en même temps. Moi je vais pas attaquer. C'est un peu une plaie quand même ce dino là pour mon jeu, donc exproof, peut pas être contré, piétinement.
vais ramener une autre carte quelconque. Et je vais bloquer avec mon Scarab God et le token que je viens de ramener. Et donc comme ça, déjà mes deux créatures vont mourir. Et je vais pouvoir récupérer mon Scarab God à la fin du tour et pouvoir le rejouer. Et c'est comme ça que là je vais prendre l'avantage de toute façon. Beaucoup de terrain. Et en plus, ah oui, non, c'est plus en plus. J'ai pas fait gaffe. J'aurais pu faire deux fois l'activité du Scarab God. Est-ce que j'ai. Ouais. J'ai pas des trucs ouf quand même dans mon cimetière. Je vais faire un avec celui-là. Pour lui mettre un peu de pression. Ouais, il commence à être bas en point de vie le monsieur. Hein. Ouais, ça me dérange pas. Son dieu, je vais le contrer avec. Ah bah non, je peux pas. Je l'ai pas dans le cimetière. Non. Et d'ailleurs, en théorie, j'ai gagné parce que je vais ramener un zombie. J'attaque avec tout, il peut pas tout bloquer. Et c'est la victoire. Allez! Allez Zoumi, t'as perdu. On l'a fait exploser. Voilà, donc là c'est la jauge de grade comme je vous ai dit. Donc vous avez plusieurs grades dans vos rangs. Là vous avez... Là moi je suis gold tier 2, après c'est tier 1 et après je passe au rang d'après. Bon bah très bien, et du coup voilà, je récupère une carte que je n'avais pas, c'est très bien. Du moins pas en 4 fois. Donc comme promis, on va ouvrir le booster. On va pouvoir voir combien de cartes contiennent un booster. Voilà, vous avez 5, 7, 8. Donc les boosters de draft sont vraiment vraiment intéressants. Vous avez 15 cartes, c'est quasiment le double. Et là, oh, en plus. Donc je l'ai déjà, mais c'est une bonne carte, c'est une rare mythique, ça fait plaisir. Et ben sur ce, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc je vais vous faire des analyses. Des cartes de draft Dominaria. Là j'ai déjà préparé pas mal de choses, donc je me suis inspiré bien sûr de très grands joueurs de draft, donc d'analyse de grands joueurs de draft. Je vais faire une notation de 1 à 5 en passant par les de 0 à 5 pardon, en termes de notes, en passant par les 0,5, les 1,5, tout ça. Et puis voilà, donc vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne Seven. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et puis à vous abonner parce que je débute, c'est mes premières vidéos. Et pour la visibilité c'est important. Donc si vous voulez retrouver de nouveaux contenus, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, je vous souhaite une bonne fin de vidéo et je vous dis à bientôt. Salut, c'était Seven.